Aujourd'hui, je vais vous présenter les Lego Doctor Who. Il y a eu deux boîtes avant Noël. Celle-là, où c'est l'intérieur du TARDIS et le TARDIS. Et une autre pour dimension. Je vais vous présenter celle-là. Donc alors, en fait, on a le TARDIS. Et pour l'ouvrir, on enlève en haut. On monte ici. Et après, on peut ouvrir. Et après, il s'accroche ici. Le TARDIS, c'est une machine à voyager dans le temps. Et en fait, ça ressemble, enfin, c'est une cabine téléphonique de police d'Angleterre. C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ici, c'est l'intérieur. Le docteur, il se régénère quand il a une super blessure. Et en fait, il est immortel. Il y a le 11e docteur avec son chapeau et son tournevis sonique. Et le 12e docteur avec son tournevis. Et donc, il voyage tout le temps avec quelqu'un, le docteur. Et là, c'est Clara. Dans la même boîte, il y a aussi trois ennemis. Deux Daleks. Donc, c'est les mêmes. Et en fait, les Daleks, c'est les pires ennemis du docteur et ils veulent détruire la Terre. Et un ange pleureur. Les anges pleureurs, c'est une statue. Et dès qu'on la regarde pas, dès que personne la regarde, elle avance. Et aussi, elle a deux visages. Un méchant et un gentil. Et quand elle arrive à nous, elle nous tue. Alors, il y a aussi la boîte Lego Dimension. Et dedans, il y a Canine, son chien. Le docteur 12 avec un autre costume que dans l'autre boîte. Et le TARDIS, toujours le même. C'est juste qu'il est en plus petit pour le mettre dans le jeu. Et aussi, ce personnage est spécial parce qu'il débloque un nouveau niveau. Bientôt, il y aura la vague 3 de dimensions. Et dedans, il y aura un Cyberman et dans la même boîte, un Dalek. Au revoir !